Bonjour à tous. À la demande de plusieurs abonnés qui ont déjà fait le pas sur des solutions plug and play comme Synology et BIM, donc ils ont acheté des panneaux solaires, donc ils ont déjà des panneaux et ils souhaiteraient augmenter la production solaire de leurs panneaux. À la suite du visionnage de ma vidéo sur mon tracker solaire, donc qui est en deux parties, hein, je vous mets en pièce, enfin le petit des vidéos en question, voilà. Et à la suite de ça, donc on m'a été posé comme question si j'avais la possibilité d'adapter mon tracker solaire pour ce type de panneau. La réponse est oui, il n'y a pas de souci, on peut adapter, et voilà, après, chaque panneau, c'est vrai, a des dimensions un peu différentes, donc, voilà. Il y a juste la solution BIM, où il a fallu voir un petit peu les choses, comment intégrer tout ça, un peu, pour que ça soit correct, et que ça pose pas de problème. Donc, j'ai repris la planche à dessin, et puis, j'ai modifié mon tracker solaire en par rapport à ces deux solutions. Si d'autres ont d'autres solutions, qu'ils ont acheté des panneaux et que il y a des spécificités particulières et tout, voilà, faut pas hésiter, vous me demandez. Voilà. Là pour BIM c'est un peu différent, les panneaux sont plus petits, voilà. Donc là je vais le détailler après dans la vidéo, je vais vous montrer un peu pourquoi. Voilà. Donc j'ai réalisé deux dossiers de plans, hein, pour ces deux solutions, plug and play, donc que ce soit pour Synology ou BIM. Je vais vous montrer rapidement en 3D ce que ça donne. Donc là, vous pouvez apercevoir le tracker adapté au panneau Synology. J'ai pris les dimensions des panneaux. Sans la structure, ah oui, parce que chez Synology, vous avez une partie sur la longue partie de rotation, une sorte de tube qui permet de faire la rotation facilement, manuellement, du panneau. Voilà, donc là, tout ça, c'est à démonter, et après, vous gardez que le panneau solaire. Et j'ai donc adapté ma structure pour ce type de panneau, hein, qui se rapproche de mes LG Néon 2 que moi j'ai mis, hein, 375 watts crête. Là, ceux-là, c'est chez Synology, ils font 400 watts crête, donc ils sont un peu plus larges et un tout petit peu plus grands en hauteur. Voilà, donc c'est tout. Donc ce plan est en vente sur mon site web, donc sur icrea35.fr, hein. Le lien est en description, n'hésitez pas, j'ai mis en détail et autres. Voilà, je vais vous montrer, quand vous arrivez sur le plan tracker, vous avez un choix de plusieurs solutions possibles. Donc vous avez celle que j'ai par défaut, hein, celle que j'avais faite, la première, c'est-à-dire avec les LG Néon. Et vous avez ensuite la Synology pour deux panneaux, donc tracker avec deux panneaux. Et puis vous avez une autre solution qu'on va parler à la suite. Les plans des différentes versions sont toutes avec les plans détaillés de chaque pièce de la structure du tracker solaire. Elles sont cotées avec une pièce par feuille pour rendre la lecture de plan plus lisible. Et les dossiers sont au format A3, donc si vous souhaitez les imprimer et autres, vous pourrez l'imprimer sur une imprimante A3, comme ça vous avez une présentation de tous les nécessaires, vos pièces, des bois que vous devez faire et tout. Tout est bien présenté, clair, lisible, voilà, surtout pour que vous puissiez le faire facilement. Donc là, on va voir en détail, hein. Donc du coup, vous avez ces deux panneaux. Donc une structure principale, hein, une plateforme avec un axe et tout. Vous avez la plateforme pour l'anémomètre, voilà, avec les jambes de force pour le pied, pour reprendre quand il y a un peu de vent et tout, le temps que
le panneau se mette en automatique à l'horizontale. Après, vous avez la solution, hein, vous pouvez mettre aussi un poteau. J'ai tout détaillé, hein, dans le détail de plan. Vous pouvez mettre un poteau qui descend dans la partie fondation. Moi, j'ai fait ce choix de sabot actuellement. Voilà. Enfin, je travaille sur un tracker solaire de plus grande taille. Je sais pas quand et tout. J'ai des tests à faire avant et tout. Donc peut-être d'ici un an ou deux. Enfin, et autres. Voilà. Mais facile à réaliser et qui reste toujours dans les critères que je demande, c'est-à-dire pas de déclaration en mairie, c'est-à-dire respecter au maximum les 1m80. Donc ça, c'est la version pour Synology. Voilà. Après, toujours avec deux vérins. Hein, j'ai pas changé. Hein, c'est juste pour j'ai adapté par rapport au panneau. Voilà. Donc, pour vous faciliter les choses, pour ceux qui sont intéressés, hein, donc comme je l'ai dit, j'ai fait un dossier de plan, il est détaillé, il y a tout, toutes les pièces bois et autres sont dimensionnées, sont détaillées, donc tout ce que vous avez besoin pour réaliser ce tracker solaire est mis dans le dossier de plan. Vous avez aussi la liste de tout ce que j'ai eu besoin, de tout ce que j'ai acheté, que ce soit la carte électronique et tout, vous avez les liens exactement des produits que j'ai achetés. Donc voilà. Après, si vous avez la moindre question, il y a un formulaire sur mon site internet. N'hésitez pas à m'envoyer des questions et je manquerai pas d'y répondre. Pour les panneaux BIM Énergie, donc c'est un peu différent parce que là on est sur des panneaux qui sont donc des panneaux de 75 watts qui font une dimension de 700 mm par 700 mm, un tout petit peu moins de 700 mm. Donc du coup, il a fallu pour trouver, pour quand même que la solution soit rentable, du coup, on est passé, je suis passé sur deux kits BIM dessus. Et donc ils sont fixés avec des profilés alu, voilà, que vous avez en détail, hein, du 20-20 et autres facilement, qui est dimensionné et mis et tout, et qui vous permet de les fixer facilement. Donc voilà, après, donc du coup on est sur une solution, hein, qui fait 600 watts. Qui est intéressante, hein, parce que moi, ma solution perso, je suis sur des panneaux qui ont 700 watts crête, donc là on a 100 watts de moins, mais voilà, l'avantage c'est que vous allez avec le tracker solaire gagner environ 30% de plus, hein, que s'ils étaient restés au sol sur une partie fixe. Et autres, hein. C'est à peu près le constat que j'ai constaté moi avec mes panneaux solaires qui étaient fixes avant, qui à la suite de l'automatisation du tracker solaire, j'ai un gain de 30%, qui d'ailleurs était avant sur mon tracker solaire en manuel, c'est-à-dire je bougeais 3 fois par jour, le matin, midi et soir. Enfin, milieu d'après-midi, enfin, début de matinée, je mettais, et après je le changeais vers 11h, et vers 15h, 16h, je rechangeais dernière position. Donc ça c'était manuel, je le faisais manuellement, et à la suite de ça, voilà, quand j'ai pu acheter la carte électronique du tracker et tout, le constat il est, j'ai fait 30% de plus. Alors déjà que moi je le bougeais manuellement, donc je pense que des gens qui ont des panneaux comme les Synology ou les BIM qui sont fixes et qui les passent sur une solution comme là le tracker solaire, vous allez avoir un gain plus négligeable. Alors après ça va dépendre beaucoup de la performance de vos panneaux. Hein. Il y en a qui ont un rendement plus élevé que d'autres.
Voilà. Donc du coup, ça il va falloir voir. Donc voilà un petit peu, donc je vous passe rapidement, on est à peu près sur une structure identique mais un peu différente, voilà, et qui reprend donc pour ces 6 panneaux, on est un peu plus court en hauteur que les autres, voilà, donc mais un peu plus large, et voilà, donc ça. Donc si vous êtes intéressé, le plan est aussi disponible sur mon site. Vous avez juste à choisir la version que vous souhaitez. Le prix est en promo actuellement hein, sur tous les packs, sur tous les plans du tracker solaire, le prix est en promo. Donc n'hésitez pas, hein, profitez-en. Le gain espéré. Donc comme j'expliquais tout à l'heure, grâce à l'automatisation de mon tracker solaire, j'ai obtenu un gain environ de 30%. Ça va dépendre des mois bien sûr, mais comme je l'ai expliqué, moi je bougeais manuellement avant, et donc déjà j'avais un gain par rapport à un panneau fixe. Donc là je fais la comparaison avec ma solution que je bougeais manuellement, et donc je pense que ça peut être plus élevé encore, et après ça va, comme je l'ai dit, mais là je vais vraiment rentrer un petit peu dans le détail, c'est que chaque panneau a un rendement qui va être de performance, enfin ils vont dépendre de la performance de vos panneaux, parce que chacun a un rendement qui est propre à lui. Les cellules photovoltaïques que vous avez sur vos panneaux vont avoir, ils vont recevoir donc les rayons ultraviolets du soleil et tout, qui derrière ils vont en récupérer une partie. Pas 100%, hein, ils vont récupérer soit 20% s'ils ont un rendement de 20%, 21, 24, 25, ça dépend des panneaux. Voilà, donc tout dépend. Quand vous choisissez des panneaux, choisissez bien un rendement le plus élevé possible. Après, faut faire la part des choses, parce que vous allez avoir des panneaux qui vont être très très chers pour un rendement très élevé, alors que vous prenez un qui a 2-3% de moins et il va être nettement moins cher. Donc voilà, vérifiez bien ceci, n'achetez pas n'importe quoi comme panneau, faites bien la différence et regardez bien le rendement du panneau, c'est important, c'est lui qui va faire, c'est combien de rayonnement va être refait, enfin au lieu de des 100% de rayonnement que vous allez recevoir. Pour schématiser, les 100%, si vous avez un rendement de 24%, il y a 24% qui va être sur ces 100% qui va être transformé en électricité. Voilà, donc du coup, autant rentabiliser ces panneaux en augmentant la performance, enfin la production plutôt, parce que la performance, on va pas l'augmenter, c'est le même, le panneau, il est qu'il soit fixe ou il va avoir toujours la même performance, mais il sera exposé au soleil plus longtemps, donc du coup vous allez avoir un rendement, enfin une production plus importante. C'est surtout l'intérêt du tracker, voilà. Et il n'y a pas besoin d'avoir un grand tracker solaire avec 25 panneaux chez soi. Honnêtement, pour commencer, le tracker solaire de 2 panneaux, moi, il me va très très bien. Une grande partie de l'année, il m'enlève mon talon d'électricité. Hein, c'est ce qu'on consomme, enfin ce que la maison consomme, on va dire, quand il n'y a personne dedans. Voilà, moi j'ai 400, je suis en moyenne à 400 watts, 450 watts. De consommer en permanence, donc du coup pour ça que je suis parti sur des 700 watts pour et essayer d'éliminer cette production. Il arrive par moment hein, quand c'est gris,
quand l'ensoleillement est pas là et tout, bah, je produis que 200 watts sur mes 450 watts que j'ai besoin, on va dire, pour éliminer complètement. Mais c'est pas grave, c'est le but et tout. Plus tard, je rajouterai des panneaux et enfin voilà. Mais ça n'a rien d'en rajouter trop. Aujourd'hui, avec ces 700 watts que j'ai, moi, je comble sur la partie printemps, été, automne, quasiment tout le temps. Je produis même des fois trop par rapport à ce que je consomme, même quand j'utilise la maison. Des fois, je vais utiliser, je suis présent, j'ai un ordinateur ou deux qui est là, qui est utilisé, enfin voilà. Et donc, on arrive à 600 watts et je produis 650 watts. Et bien, ces 50 watts en trop, ils partent sur le réseau de Enedis. Et donc, du coup, voilà, il faut éviter de voir partir sa production. Enfin, en gros, vous donnez de l'électricité à Enedis gratuitement et eux, ils la revendent à votre voisin qui, lui, va la consommer. Donc, si on peut éviter ce genre de choses, enfin, parce que moi, j'en ai en un an et demi, je crois que j'ai... Donc, je viens de vérifier, j'ai injecté 187 kW en un petit peu plus d'un an, enfin, un an et demi, et à peine un an et demi. Un an et trois mois. En un an et trois mois que j'ai installé mes panneaux, j'ai fait 187 kW injectés sur le réseau d'Enedis. Donc, et j'ai que deux panneaux 700 watts. Donc, c'est pour ça que je vous dis, n'allez pas sur des choses immenses. Commencez petit, investissez un tout petit peu et vous ferez des économies. C'est pas négligeable, voilà, c'est tout simplement commencer par là. Et une fois que vous avez deux panneaux, peut-être que en passant à quatre panneaux, ça va permettre et tout. Et puis, ou juste avant de passer à quatre panneaux, ben vous achèterez une station de charge qui va vous permettre d'avoir au lieu de le donner à Enedis, de stocker ces quelques kilowatts produits que vous ne consommez pas tout de suite, qui seront du coup stockés sur une batterie, et donc vous pourrez consommer ben, quand il y aura moins de lumière ou le soir et autres, quand vous aurez besoin. Mais voilà, donc après je vous conseille vraiment de pas aller sur des grosses solutions qui y en a pour 25 000 euros et tout, soi-disant que enfin voilà, ça va faire votre consommation. Alors oui, certes, vous allez baisser votre consommation directement et tout, mais l'investissement, est-ce qu'il en vaut le coup de mettre plus de 20 000 euros dans des grands trackers solaires? Et comme je vois là que mes deux panneaux 700 watts, déjà je redonne 187 kW, 187 kW à ERDF gratuitement. Voilà, donc enfin, moi j'ai investi une somme qui est sur un peu plus de. Avec. On va tout compter, avec même la gestion, avec le téléphone et tout, j'en ai pour un peu plus de 1000 euros. Et ça en revient à 1200, mais ça aurait pu me coûter que, si j'avais pas pris cette solution avec le téléphone et tout, j'aurais pu en avoir juste pour 750-800 euros. Allez, 800 euros, j'avais la solution pour bah, des deux panneaux solaires avec et après bah, le tracker et tout. Donc je vous dis, oui, allez, pour 1000 euros, vous avez votre tracker solaire. 1000 euros, voilà, à peine, avec automatisé et tout, enfin voilà. Donc réfléchissez et voyez ce que vous, de votre côté, ça peut vous apporter. J'espère que
Ceci comblera les attentes des abonnés et des viewers qui m'ont demandé la réalisation de ces dossiers de plans spécifiques. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à me contacter via le formulaire sur mon site web. Et si je peux répondre à vos demandes, ça sera avec joie et avec plaisir de pouvoir essayer de que vous rentriez, enfin que vous commenciez votre petite production d'énergie. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye les amis.